I try to get it how I live it. A lot of people counting on me, kinda like a digit. It's a cold world, I'm not fronting like it isn't. It's no time for coming up, shorter than the midget. Y'all know I'ma raise the bar though, like Bridget. See there a star, go don't blink, you might miss it. It's precious cargo, you gotta be strong to lift it. The light comes in different types, be more specific. Shit, I'm Black Thor, what could be more prolific? For this love, I go above and beyond the limit. I told y'all I'm above and beyond a gimmick. I get into your head and spread like a pandemic. I never put myself in a race I can't finish. I'm well grounded, founded on the same premise as any man with a hit list that's about business. Yo, can a brother get a witness? Dig it, right on. Bon bah deuxième relais hein, enfin troisième normalement, en grande longueur 60 mètres. Pas mal d'ambiance, c'est sympa. Beaucoup de monde au relais. On se fait chier. 5 personnes quand je suis arrivé. Il fait froid, on attend. Ouais, mais ça va, c'est chouette. Pas très beau. C'est pas très beau. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu froid. Ouais, regardez. Voilà, les petits moutons un peu comme ça. Du coup. Au niveau de la luminosité, bon bah, pas de soleil aujourd'hui quoi, hein. Pas de soleil alors que c'était prévu. Deg. Tant pis, tant pis. On a tout prévu, des petites moumoutes comme ça. Petites moumoutes. On a bon. Juste que nos camarades se dépêchent un peu là. Ouais. Oh putain. Il reste plus que deux longueurs, puis on sera au sommet quoi. Voilà, Frison Rush, c'est cool. Grimpe, mec! Allez, dépêche-toi, tu sors. Tu sors. Salut à tous, aujourd'hui on est à la Flégère, 8h du matin, il fait grand beau, il fait un peu frais mais ça va. On va pouvoir faire du t-shirt aujourd'hui. On va au pouce, on a deux petites heures de marche d'approche. On voit 300 mètres en terrain d'Ave, ça va être sympa, on va poser Friends, on va poser les coinceurs, tout ça. Puis belle journée quoi, parce que exposé sud, donc ça devrait être chouette. Bah voilà, hein, on est arrivé au départ de notre voie. Pas mal de monde, déjà deux longueurs là. Deux longueurs. Oh. Deux cordées. Deux cordées plutôt. Et va pas falloir traîner quoi.
Bah voilà, sommet du pouce, pas très plat, beaucoup de cailloux, fin de course assez dure, parce que recherche d'itinéraire vraiment pas facile et plus de cordes devant nous pour voir où ça allait. Donc beaucoup d'engagement et tirage de dingue. Beaucoup de tirages, puisque des grosses longueurs entre 50 et 80 mètres je pense. Mais trois labours, on a raté la dernière benne. Ouais là, à l'heure où on vous parle, on pense qu'on a raté la dernière benne, donc redescente jusqu'au Praz à pied. Donc, je pense qu'on a là pour 3 heures de rando encore là. Après 6 heures de course et 2 heures de marche d'approche, quoi, on aime ça. Ouais. Les journées de 11 heures, on aime ça. Mais ça reste une très belle course quand même, le pouce. C'est un caillou assez sympa, c'est l'envers des aiguilles rouges. C'est à faire au moins une fois. Mais levez-vous tôt et grimpez vite. Ouais. Bon. Tout à l'heure, on vous parlait, on était en haut là-bas, en haut du sommet. On a grimpé toute la face qui est à gauche là. Et putain, il nous a fallu 2 heures pour traverser toute l'arête là. Jusqu'ici. On a raté la dernière benne, là c'est sûr. Mais on en a donc encore pour 3 heures de marche jusqu'à la vallée de Chat. Comment descendre un évé rapidement ? Bon, il est 5h du matin, faut se préparer. Là, nous voilà dans la traversée Aiguille du Midi, Aiguille du Plan. C'est super chouette, c'est pas très difficile, faut faire attention. Là, on vient de contourner le Rognon, la dent du Rognon. Et puis normalement, là, on débouche au-dessus et puis après, on est à l'Aiguille du Plan. On a un horaire à tenir, pour l'instant, on est bon, on est bien. Et puis, c'est chouette.
c'est chouette, on retrouve la neige, la haute altitude et tout ça, donc c'est super. De l'aiguille, on va pas se faire chier parce que on a pas pu aller jusqu'en haut, on verra juste ce qui est à côté. Il y a pas de renards, de partenaires, des chevaux, des petits moutons en face. Course super sympa en tout cas, pas très dur. Mais ça se voit. Cascade. Ah, qui est dans du tacule.